tous les amis, c'est Daïla, Forge Pokémon, j'espère que vous allez bien. Je pète la forme de ouf, vraiment. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour découvrir la toute nouvelle série de cartes Pokémon qui vient de sortir. La série Voltage éclatant et on a un beau display, donc j'en ai deux. On sera d'autres ouvertures je pense. Sur la chaîne YouTube, on a deux displays et donc du coup on va s'ouvrir un display en trois parties sur la chaîne YouTube. 36 boosters, donc 12, partie 1, partie 2, partie 3. Là c'est la partie 1 mes chers amis, on n'a pas que ça, je vous montre quand même ce qu'on a. Parce que on n'a pas n'importe quoi, on a également l'Elite Trainer Box qui est juste ici. Et on a deux tripacks, donc les tripacks avec les deux cartes promo différentes. Mes chers amis, j'ai eu ces coffret display booster sur le site Bakuzia. Donc une nouvelle fois, je paye ces boosters, mais le site est vraiment top, mes chers amis. Il est en description, n'hésitez pas à y checker. Et mes amis, franchement, vraiment, si vous mettez 5000 pouces bleus, que vous partagez la vidéo, que vous vous abonnez, je vous fais un énorme concours où je vous fais gagner ces deux tripacks scellés Voltage éclatant, d'accord. Donc si vous êtes chaud, faites péter moi les commentaires. Et je vous fais gagner ça genre sur Insta comme la dernière fois, etc. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti pour la display. Elle est vraiment magnifique, on a un petit Pikachu là. Donc j'ai vu les cartes qu'il y a à l'intérieur. Ouh, il y a du très très lourd. Il y a des magnifiques secrets. Donc il y a deux cartes secrètes gold shiny en Pokémon. Il y a aussi des dresseurs gold. Il y a des magnifiques full art. Il y a un Farm full art, un Pikachu full art. Oh là là, il y a ces full art mes chers amis. Il y a même Togetic Foulard, je crois, Togekiss Foulard, c'est juste incroyable. Alors 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ah, je suis trop content. J'ai enfin la nouvelle série mes chers amis, vous avez été temps de me la demander, vraiment. Du coup, voici les 12 boosters et c'est parti pour découvrir cette série ensemble. Et puis voilà, et d'ailleurs mes chers amis, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, il y a 150 boosters à la voix du maître qui sont arrivés. Donc ça fait plaisir. Allez, les codes online, c'est pour vous. Je vais tous vous les donner de Voltage éclatant. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2 qui sert à mettre la rare et la rare en son dernier pour garder un maximum de suspense, bien évidemment. Et on est parti avec, oh là là, avec un petit cabriolène. Crémy. Un petit Zébibron. J'adore découvrir les cartes, la première série comme ça. Les premiers boosters. Terral, chauve-sourire qui est dessus, hein, l'illustratrice. Donc l'illustrateur, l'illustratrice, c'est toujours indiqué ici en bas à gauche. Énergie combat, un escroco, Donna, Picléron, magnifique, j'aime bien cette carte, très très belle. Hop. Alors attention, Ningal en reverse, est-ce qu'on va avoir une ultra rare? Non, au massacre, excusez-moi, ça arrive, au massacre en rare, pas mal. Pas mal du tout, on va la mettre de côté. Allez, on a des Pikachu GX, on a vraiment... Mais par contre, les Full Art, les amis, les Full Art, ma, qu'elles sont belles. Donc ça sert à ouvrir un booster Pokémon en ligne sur le site que vous voyez ici. Donc voilà, vite pour ceux qui à chaque fois se battent pour les avoir. Allez, j'espère qu'on va avoir un très bon display. Et on a aussi Pijako, je crois, en ultra rare. Non, Canartichot de Galar, incroyable aussi. Pijako, Neuneuf, Anchouette, le petit Wellmer, sympa. Un petit Mélofé aussi, très cool. Énergie électrique, Karatrog, j'adore cette carte. C'est peut-être ma préférée pour l'instant, je vais la mettre de côté. Énergie, énergie revêtement, bon, écoute frérot. Limonde de Galar. Zekrome en rare reverse ou peut-être même holo reverse. Mais non. Alors, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. J'ai été voir la série, donc ce qu'il y avait comme carte ultra rare, j'ai vu le Alakazam, j'ai vu le Pikachu, j'ai vu le Farfetch'd, j'ai fait s'il vous plaît, mettez-moi une de ces trois cartes en full art. Dommage que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, donc je sais qu'il y en a peut-être qui vont pas me croire, mais je vous jure que c'est vrai parce que c'était un Pokémon de la première génération. Elle est magnifique, et je vous jure. Oh, je filme avec mon iPhone ma tête, je vous aurais montré. J'ai fait des screens des cartes que je voulais. Il y a les screens à la Kazam. Ah, oh, j'ai trop le seum de ne pas vous l'avoir dit, mais je suis trop content de l'avoir. Oh là 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 là, à la Kazam Full Art en première carte ultra rare. Elle est juste magnifique. Elle est magnifique. Oh bordel. Oh là là, alors pourquoi je suis si content que ça d'avoir une foulard, vous allez me dire, David, pourquoi t'es si content que ça, mon ami?
Parce que j'ai que deux displays et je compte pas en acheter plus. Parce que j'ai tout mis mon budget dans la boîte du maître. Donc j'ai que deux displays et il y a que quelques cartes que je voulais avoir. Pikachu Full Art, Alakazam Full Art, Togekiss Full Art, Farm Full Art, possiblement un Shiny Gold et une Fantôme, ça serait bien. Et donc voilà, ça tape en plein dedans! Pa là là! Sincèrement, j'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable. Donc le petit code, pam. Oh là là, hey, le petit pouce bleu, les petits potes. Important, le petit pouce bleu, là, c'est important. Ouais, je suis content, je suis mûr. Ah, ça s'aurait été moi si j'avais pas eu le Alakazam. Alors, Rocabo. Oh, mais il se gratte. Comment il marche? Ok. Voltorb. Oh, je suis neuf. Ningal, très joli. Oh, j'adore Echo. J'adore les cartes Pokémon aussi, donc pâte à modeler. Et quand ils sont en espèce de laine comme ça, on dirait qu'ils ont été tissés là, c'est génial. J'adore. Énergie plante. Donna, qu'on a tous les boosters. Picleuron, qu'on a tous les boosters. Watapic. Hein, on ne dira rien sur son nez. Matloutre en reverse. Très sympa, Matloutre. Très sympa. Ronflex! Ronflex holographique. Très sympa aussi. Oh, ça s'annonce plutôt bien. Donc, ça, c'est bien sûr mon illustration préférée. N'hésitez pas à me dire votre illustration préférée en commentaire. On a un magnifique petit Pikachu. Là, on va pas se le cacher qu'il est très sympa. Très très sympa ce petit Pikachu. Il y a aussi le Celebi qui est magnifique en illustration. Mais écoutez, Pikachu, c'est vrai qu'un petit coup de cœur pour le Pikachu, ça fait du bien d'avoir en illustration de booster. Donc on a Cabriolène, Crémy, Zabibron, Terral. Il y a quand même 180 cartes plus la secrète dans la série. Hein. C'est marqué ici, bien évidemment. Chauve-sourire, énergie sombre, Girafarig, magnifique. Magnifique petit Girafarig. Très très belle carte. Feyza, Minotaupe, Ramboum, en holo, en reverse, excusez-moi. Et Krakos! Le frérot Krakos! J'adore cette carte. Je préfère limite cette carte que l'ultra rare qu'il y a dans la voie du maître. Allez, on continue. On prend notre temps quand même. On découvre la série, mes chers amis. Je sens qu'on a un super display. Franchement. Oh, ce display. Oh, ce display, je le sens bien. Oh oui. Oh que oui. Du coup, on a un joli polichon, moi. Cabriolène. Poulpaf. Poulpaf. Pijako. Neuneuf. Ah, neuneuf. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Si je parle de neuf, c'est que je parle d'une carte en particulier. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, s'il vous plaît, à ce moment-là de la vidéo. Vraiment, écrivez-le en commentaire si vous voyez de quoi je parle, de quel neuf je parle. Ça me ferait très plaisir, je l'ai écrit le commentaire. Ténéfix, magnifique. Picléron, encore une nouvelle fois, frérot. Sinistrail. Oh, Régirock. Régirock, très intéressant. Et Branette en rare. Ok. Très sympa. Très sympa cette histoire. On arrive à la moitié, on prend notre temps, franchement. J'espère que vous kiffez. J'espère que vous kiffez en plus, bah avec le petit cadeau que je vous annonce en début de vidéo et toutes les belles choses, j'espère que vous kiffez tout. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je me donne à fond. J'espère que vous kiffez. Allez, c'est parti, let's go. On part avec un Riolu. Très sympa aussi. Calécroque. Polichombre. Miamiasme. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai reçu un colis qui était pour mon propriétaire. Voilà, un plaisir. Allons, continue, Miamiasme. Oh, magnifique, magnifique ce petit Evoli. Énergie métal, Feyza, Minotaupe, très sympa. Escroco. Oh, c'est trop beau ça. C'est magnifique. Énergie arôme et Lucario en rare, très très belle rare également. On est bien. C'est une très bonne ouverture, je kiffe. Franchement, je suis bien là. J'arrive toujours pas à croire que j'ai la full art que je voulais. Vraiment, c'est incroyable. Maintenant, on pique le Pikachu, un petit Togekiss, une petite secrète, et puis bah voilà quoi. Statistique. Oh, il y a une ultra rare. Oh là là. Oh là 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 là. Oh. Énergie Psy, Noisier. Noisier, on peut commune, d'accord. Matloute qu'on a eu en reverse tout à l'heure. Fromage Melon, on dirait du chèvre. Charmy. Ouh, aïe 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 aïe. Oh. Po po po. Magnifique. Un petit Exagide en ultra rare. Eh ben écoutez, ça se prend. Ça se prend pour la collection. Peut-être que c'est une carte que je vais pas garder, mais je la trouve magnifique. Je sais qu'il y en a deux dans la série. Il y a aussi les Full Art et les Fantômes d'Exagide. Non, Full Art, pas sûr. À vérifier. Mais très sympa. Très très sympa. Deuxième petite ultra. Magnifique. Magnifique. Et franchement, j'arrête pas de me dire que je regrette de ne pas vous avoir dit que je voulais le Akazam Full Art parce que c'est une des Full Art que je voulais le plus. Je l'ai pas dit. C'est pas grave. Mais je m'en veux un peu. J'aurais dû le dire, j'aurais dû le dire, j'aurais dû le dire. C'est pas grave. Nirondelle en pâte à modeler. J'adore. Voilà, pâte à modeler. Kiffant. Chauve-sourire, dessus bien évidemment. Poulpaf, en chouette. Miamiasme, énergie feu. Métang, ok. Sally. Matloutre. Oh, Xerneas! Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce Pokémon. Xerneas. Oh!
Oh. Oui, aïe. Oui, aïe. On va tout de suite la mettre sous protège carte. On a Donna en fantôme secrète. Donc on a une autre petite fantôme secrète. Donc c'est pas un Pokémon. Sachant qu'il n'y en a pas, je crois que c'est que les dresseurs et deux gold shiny secrètes. Magnifique. Elle est magnifique. Donc Donna qu'on a eu plein de fois, hein, je vous la montrerai. Ça m'a fait peur. On a une première partie qui est juste incroyable, sans déconner. Là, les amis, je vais pas vous cacher, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je vis ma meilleure ouverture là de display. C'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment, c'est génial. Je sais pas quoi dire. Voilà. Je suis trop content. Riolu, Mélocroque, Polichombre, Miamiasme, Evoli, juste magnifique cette carte. Énergie combat, Mateloutre, Fromage Meumeux, Girafaik qu'on a déjà eu, Riolu en reverse. Oh! Waouh! Dracaufeu en rat, elle est magnifique! De toute façon, dès que t'as un Dracaufeu, en général, il est beau. Mais alors là, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, les jeux de lumière dessus, les ondes sur son aile! Magnifique, avec le dressure derrière! Oh, son souffle brûlant peut faire fondre la roche. Il est parfois la cause d'incendies de forêt. Et merci pour cette information. On s'en branle. On s'en fiche complètement. Mais incroyable. C'est incroyable. Alors, celle-ci, mes amis. Je ne vous cache pas, je ne savais pas qu'il y avait Dracaufeu, je ne me suis pas spoilé toutes les cartes, évidemment, j'ai regardé que les ultras. Bon. Bref. J'espère qu'on va l'avoir en reverse. Vous savez, toutes les rares et les holographiques qu'on a en dernière carte, on peut les avoir en reverse. La reverse, c'est la carte qu'on a juste avant la rare. D'accord? Donc c'est possible qu'on l'ait en reverse. Elle est incroyable. Elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. C'est clairement. Vous allez dire, David, c'est toujours la meilleure ouverture, meilleure. C'est la meilleure ouverture de display que je fais. C'est clairement ma meilleure ouverture de display. C'est clairement ma meilleure ouverture de display en fait. C'est. Vous voulez que je vous dise quoi moi? J'invente rien. Hein. Picasso, Granny magnifique. Oh! Ah ouais, quand même! Masque aimant magnifique aussi. Statistique très sympa avec la petite prise là. Grain-dur. Pas grain-dur. Tu nul, c'est nul! T'es à clope. Alba mince alors? Ah bah mince alors. Non, ils ont fait un jeu de mots comme ça. Non. Ils ont pas osé quand même. Alba Massalor. Bon, en tout cas, la carte est très sympa. Hein. Dresseur qui tire la tête, un petit objet. Le topiqueur dans un temple, je sais pas quoi, chelou. C'est hyper stylé. J'adore cette carte, sans déconner. Je vous jure que c'est vrai. J'adore cette carte. Voltali en rare reverse ou peut-être holo reverse. Et Axolotl. Mais Marest, je veux dire, mais les cartes sont magnifiques. Sincèrement, je suis un peu ému. Je suis un peu ému parce que j'ai eu des énormes périodes de galère, mais vous pouvez même pas imaginer, et j'ai hâte de vous raconter, je sais que ça fait longtemps que je dis ça, mais je peux pas pour l'instant. Mais je suis heureux, sans déconner, et ça faisait très longtemps, franchement, que j'avais pas été aussi heureux que ces derniers jours avec les vidéos et tout, vos retours de commentaires, tout ça. Je kiffe ma vie, je kiffe ce que j'ouvre en vidéo, je kiffe ce que je fais, quoi. Fampi avec un petit peluche de Tedursa, magnifique, sans déconner, je kiffe ma vie, quoi. Voilà, c'est, je kiffe ma vie. Sans déconner, je kiffe les cartes, je kiffe. J'ai jamais été aussi heureux d'ouvrir les cartes Pokémon depuis le début de ma carrière, sans déconner. C'est trop bien, quoi. Nigozé qui a un truc dans la bouche. Alors, je sais pas si c'est un anchoite, mais. Eripé, en tout cas. Alistair. Girafarig. Berserkade de Galar. Ok. En rare reverse ou peut-être holo reverse. Ah, c'est une rare reverse. On a eu la réponse. Donc, voilà, ça peut arriver hein, d'avoir deux fois la même carte. Et dans les boosters, ce bon gros Pika, oh, qui a bien mangé. Hein, il a bien mangé. Allez. Waouh. Je sais pas si vous allez entendre. Mais il y a un avion qui se crache ou quoi là? Ah, c'est un hélicoptère. Waouh, comment j'ai eu trop peur. Parce qu'en fait, je suis en rooftop, donc je suis tout en haut d'un bâtiment. Et l'hélicoptère est passé à ma fenêtre. Bah, peut-être que vous allez l'avoir vu en fond. Allez, c'était le dernier booster. Thiboudé qui est tombé. Très original aussi cette carte. Picasso. Grenipio. Masque aimant, Inerdite sombre, Teraclope, très bien fait aussi, on n'en parle pas assez. Ah bah mince alors, Noacier. Oh yes!
Oh, mais c'est incroyable! Oh, c'est incroyable! Oh, c'est génial! C'est génial! On a quoi derrière? Farfadet duvet, m'en fiche de toi, désolé, mon ref. Oh là 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 là! C'est génial! Et on a du coup le Dracaufeu en reverse hein, qu'on peut comparer. Donc, du coup, voilà l'effet reverse, le petit effet brillant, les petites flammes qui ont été rajoutées. Oh là là! Oh là là! Cette ouverture! Cette ouverture! Cette ouverture de fou! Cette ouverture de fou! Alors, du coup, petit récap. Une secrète d'Ena. Donc, pas la meilleure secrète, mais bon, on en a une. Donc, fantôme, je veux dire, une fantôme. Très content quand même, très content. La full art, l'une des full art, des trois full art que je voulais avec Pharampe, Togekiss, Pikachu et Alakazam. Même si je ne l'ai pas dit, j'espère qu'on croirait. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je regrette de ne pas l'avoir dit vraiment. Je me suis dit en plus avant la vidéo. Putain, j'aimerais vraiment avoir ce Alakazam de la première génération et tout. Nan 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 nan, je vais le dire et tout, ça fera un objectif en vidéo. Je ne le dis pas. Et je l'ai. Bon, bref. C'est pas grave, bien des cas. Bon, je suis pas là pour vous mentir sur un truc stupide comme ça, mais bon. Alakazam, du coup, en foulard, juste cette carte est, je la trouve vraiment incroyable. Sans déconner, je trouve cette carte incroyable. Bon, ma carte préférée d'Alakazam restera toujours Alakazam Star qu'on a dans Hexagone Cristal, je crois. Peut-être que je me trompe, mais Alakazam Star, magnifique. Exagide et les deux Dracaufeu. Donc en rare et en reverse. Mes amis, je compte sur vous pour faire exploser la barre des pouces bleus. Vraiment. Explosez-moi ça. Commentaire, partagez, abonnez-vous. Il n'y a que des belles choses. Des cadeaux et tout à faire gagner. Des pioches, des futures ouvertures, les 150 boosters. Et aussi du ténèbre embrasé. Oh là là là, c'est trop bien tout ça. Allez, les amis, je vous fais plein de bisous. On se dit peut-être à demain dimanche pour une nouvelle vidéo. Peut-être que je vous ferai 3 vidéos d'affilée. 4 vidéos d'affilée, peut-être. Parce qu'on a plein de choses à s'ouvrir, donc autant profiter. Oh, je verrai selon les retours de cette vidéo. Allez, mes amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.